avant tout un plaisir esthétique, un plaisir ludique et le plaisir de dessiner justement les corps. Parce que dans les corps, il y a des hanches, il y a des courbes, il y a des formes que j'aime bien. Je dessine et je peins dans le but de me rencontrer moi-même. Plus je vais à la rencontre de moi-même dans cette intériorité, plus je rencontre le monde extérieur. Et plus j'ai un rapport introspectif à mon travail, plus il y a une consonance qui se fait à l'extérieur et une résonance. Intrigué par l'humain. Même dans mon travail, tous les thèmes les plus récurrents qu'on retrouve, c'est les thèmes de l'identité, des racines. Tous les thèmes, c'est beaucoup l'inconscience et beaucoup de questions sans réponse. Et puis toujours l'interrogation, qu'est-ce que l'autre ? J'ai suivi jusqu'ici l'expression corps-poème de cette danseuse de cygnes qui parlait du silence. Ma pensée ne s'articule qu'autour de ses lèvres. Si on commence à vivre intérieurement et véritablement ce qu'on éprouve, on commence à avoir une dimension universelle en permanence. Laisse-moi écrire sur ta peau avec l'encre de ma salive le paysage clandestin de ton soleil couchant. L'Afrique a toujours été autour de moi, mais j'aime toutes les consonances, tout ce qui vibre. J'ai le vertige du vide, géant vide de toi. Envie de te dire 100 fois que tu me laisses sans voix. Avoue, c'est pas le hasard si la providence t'envoie. Ce qui m'a toujours habité, c'est le travail toujours du rapport entre la psyché et le corps et le physique et l'organique. On vibre tous à l'unisson. L'équateur entre tes épaules m'appelle à prendre le large envisage. T'as traversé comme la plus grande conquête qui m'est dictée par les vœux que les étoiles commettent. C'est peu dire, me plaire, tu me donnes l'impression de faire comme un voyage immobile où les mots préfèrent se taire. Te décrire m'engage à de sérieuses embûches à bouche. À côté de toi, l'étoile la plus proche est une ébauche, j'accuse le coup de foudre. Je pense que la base de notre vie vient de quand on est bébé. La façon dont votre mère vous a touché, vous a lavé, votre père vous a pris dans ses bras, vous a dit les choses, vous a parlé, vous a embrassé. Toutes ces choses me touchent. Toutes ces choses sont symboles d'intériorité. Pour toucher les autres, il ne faut pas les agresser. Il faut simplement aller vers eux. Donc pour aller vers eux, il faut aller d'abord vers eux. Le travail de peinture, c'est très solitaire. Donc je suis tout seul devant mon tableau. Je travaille beaucoup en musique. Et même quand je peins, je me mets à peindre et des fois je danse. Je danse devant le tableau. C'est un homme qui me montre du doigt. Et je traîne après moi. Mais comme une drôle d'erreur. C'est tout par cœur.
flashback, prémonition, voir l'invisible comme un visionnaire, mener son enquête comme aucun inspecteur du visionnaire, rime, son, sublime, vision subliminale, correspondance des sens, on peut plus voir si on s'entend mal. On peut plus voir si on s'entend mal. On peut plus. Et le rapport que j'ai à la scène, c'est pas l'extravagance. C'est plus on est présent avec soi-même et avec les autres, plus des fois même quelque part on se met après, plus on existe. C'est ça, dans l'acte de dessiner, qui m'intéresse. C'est le dessin lui-même et l'acte d'être présent pour donner quelque chose. J'aime l'interaction. J'ai envie de m'amuser avec ce que je dessine. Rappelle-toi tes amours, puisqu'aujourd'hui c'est ton tour. La vie d'une chorégraphie, c'est être vivant. C'est la vie qui m'intéresse, quoi. Et là, avec la musique africaine, il y a toute une chose qui m'habite et qui me... Moi, je vibre et je pleure pour ce qui vibre. Alors, c'est vrai que l'Afrique me fait vibrer depuis tout le temps. Les saisons ne s'essoufflent autant. Les saisons ne s'essoufflent autant. Laisse passer le temps d'aimer. Laisse passer le temps d'aimer. Démon, démon, démon. Démon, démon, démon. J'aime les comédiens, les musiciens, les gens qui ont un monde, une dimension. Les coïncidences. Mais non, c'est ça le bonheur, c'est le plaisir. Incidence, les coïncidences. Les coïncidences. Les coïncidences, les coïncidences. Les coïncidences. Les coïncidences.